Allez, ça tout le monde, c'est Tazeric Pérassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 513 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait terminé, hein, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, la fameuse ex-recherche culinaire de Zelda. Donc on s'était assez bien débrouillé. D'ailleurs, on va pouvoir aujourd'hui s'attaquer aux vestiges de Ganon, dans lequel on est obligé d'utiliser Link et Urbosa. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec notre cher petit Link. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas contrôlé. Ben, on a Master Sword, on a ça aussi. Ben, vous savez quoi, je pense qu'on va tenter de contrôler, enfin de prendre l'espadon du bestial. On est à 130 en plus. Après il y a le fléau. Ah non, le fléau, trop de cheaté au bout d'un moment. Enfin, j'aimerais bien changer un peu. Donc on va prendre l'espadon du bestial, sachant qu'obtention de matériaux spécifiques de terrain, il faudrait vraiment qu'on le change. Ce serait cool de l'enlever. Donc je pense qu'on l'enlèvera, hein, je vous le dis, un de ces quatre, mais on l'enlèvera. Et en fait le problème c'est qu'avec Link, il y a beaucoup de choses à garder avec Link. Il y a beaucoup trop de choses à garder. Bon, vous savez quoi, on va rester comme ça. Et avec notre cher, qu'est-ce qu'il fait? Notre cher Urbosa, elle est là. Bon, ça, il y a quelques petites bricoles, mais ouais, à peine niveau 25 quoi, c'est même pas niveau 26 quoi. Pénible. Ah bah écoutez, pourquoi pas, hein. On le fait, hein. Combien? Bon, on va dire niveau 26, bon, au moins un niveau. Mais bon, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Donc les amis, c'est parti. Les fameux vestiges de Ganon. Donc ils sont ici, vestiges de Ganon. Une soldate, Gerudo, dit avoir aperçu un gardien NMB d'une étrange aura. Accompagné de Link, Urbosa part à sa recherche pour l'arrêter. On peut voir qu'un ennemi principal, il y a carrément un gardien de rancœur, des gardiens de foudre et des moblines d'argent. Donc les amis, c'est parti. Link, Urbosa, voilà. Donc on va en priorité contrôler Urbosa, hein. Je pense que vous en doutez. Parce que Link, il est déjà niveau 100. Et dire qu'après on doit faire les épisodes farming et tout à la fin, c'est what the fuck, il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Alors on est, pour les gens qui regardent cette vidéo encore à l'heure actuelle, on n'a pas prêt d'en avoir fini avec ce jeu, je vous le dis. On n'est vraiment pas prêt d'en avoir fini. Ça va durer un long temps cette histoire. Ouh. Commencer la bataille. Oh, pas avec Link du coup. Non, bah ça. Ok. En fait, j'aimerais bien avoir quand même beaucoup de... Enfin, une barre un peu plus grande d'électricité, enfin de foudre. Donc ça c'est bien, ça remplit ma barre en fait tout simplement. Ah, le gardien de rancœur, il est là-bas. Oh le bâtard. Non. Oh le bâtard. Voilà, on est à fond. Donc là maintenant on va pouvoir affronter le gardien de rancœur tranquillement, sachant qu'on a un coup fatal. Donc on va le mettre, hein, je vous le dis. Boum. Et les gardiens de foudre apparaissent sur le champ de bataille. Ok. Merci du coup, point faible. Boum. Allez. Ah le bâtard. Vas-y. Arrêtez-vous.
Voilà. Le coup point faible. Voilà, au moins le gardien de rancœur est fini. Oh mon dieu. Ok, il y a 40 milliards de personnes. Ok. Oh le bâtard. Oh mais c'est pas gentil ça. Ok. Oh là 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 là, on prend tarif. On prend tarif. Sérieusement? Pour rien? Merci. Le gardien de foudre. Allez. Voilà, une patte en moins. Deux pattes en moins même. Voilà, t'es au sol maintenant. Parfait. Bon allez, il se dirige directement vers Link, ça m'arrange. Oh le bâtard. En fait je comprends pourquoi ils nous mettent autant de, les alphas et tout. Surtout c'est pour nous mettre, enfin pour nous faire faire du coup fatal en fait. Pour avoir du coup fatal, le nombre d'ennemis qu'il y a sur la carte. Allez, heureusement que Link est résistant, je vous le dis. Ok, ça continue. Là, il y a des gens. Non, 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 non. 100 KO. Ah, il y a un autre gardien de rancœur en fait. Ça ne s'arrête pas en fait. Oh le bâtard. Allez. Oh, t'es sérieux? On va utiliser le coup fatal, ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, je voulais débarrasser du nombre astronomique d'ennemis. Allez, maintenant c'est parti. Est-ce que je vais pouvoir toucher pas mal de monde? C'est une bonne question. On a touché deux personnes. Allez, le mobile d'argent. Le coup point faible. Merci. Allez, il reste la moitié du temps pratiquement. Arrêtez-vous! Merci, le mobline d'argent. Oh, j'esquive pas esquivatant. Oh, t'es sérieux? Merci, c'est bon. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Parce qu'il y en a 7 au total. Ah, oh, bah oui, il y en a 7 au total. Bah écoutez, même pas la moitié du temps est parti écoulé. Bon, bah écoutez, hein, tranquille. On a bien géré. Nickel, 900 rubis supplémentaires. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, niveau 66. Ok. Aidarook. Yes. Avec des matériaux antiques encore une fois. Et ça c'est très bien. Deux cœurs antiques géants. C'est le top. Bon bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, bah, on pourra se retrouver demain, les amis, pour les deux derniers épisodes de la semaine déjà. Ouais, c'est ça, deux derniers épisodes de la semaine. Eh ben putain, ça sera pas si vite. Hein. Cette menace a disparu. La lune de sang, elle est où? Ouais, évidemment, elle est pas au bon endroit, comme d'habitude. Et elle est
pas encore au bon endroit. Bon bah du coup les amis, dans l'épisode prochain, on ira s'attaquer tout simplement à la mission des combats, bah, la toute dernière d'ailleurs, des niveaux 51 à niveau 60, le fameux cimetière de gardien dans lequel on est obligé de contrôler Ron Bosphoramus. Les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode de notre aventure sur Hyrule Warriors dans l'ère du fléau, épisode 513 quand même. On se retrouve du coup bah, les amis demain, vu que c'est dimanche, il y aura deux épisodes de ce let's play, le 514e et le 515e. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode et je vous dis à demain pour l'épisode 514 et 515. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.